Ouais, ok, donc c'est ça. Allez, hop, faut que je teste ça, moi. Ok, eh ben, bienvenue. Bienvenue chez moi, bienvenue chez AVC Lucky. Là j'ai des exercices à rendre lors de mon prochain rendez-vous avec mon orthophoniste. Donc elle m'avait donné 4 exercices à faire. Et donc là je vais commencer le premier avec vous. Après j'en ai encore d'autres, hein, mais je les ferai, je ferai ça à d'autres jours. On est 4 en tout. Hein. Je vais en faire juste un seul pour aujourd'hui. Je sais pas lequel je vais le faire à l'hôtel. À l'hôtel, on fait le collier du facteur. Tintin brocanteur. Au voleur. Je ne sais pas. Tiens, je vais faire au voleur plutôt. J'ai envie de faire le au voleur. Je vais me faire au voleur, c'est sympa. Non, je sais pas lequel je vais faire. Je sais pas trop lequel je vais faire aujourd'hui. On est 4 parce que là pendant 4 semaines je ne verrai pas mon orthophoniste. Hein. Car elle a des occupations IRL, il y a le fameux lundi de Pentecôte, je crois. Donc en plus des exercices Lumosity, elle m'a donné du travail à faire. Un petit retour à l'hôtel quoi. Je sais pas trop lequel faire. Allez, je vais quand même rester avec le fameux Tintin, je pense. Ouais, je vais peut-être rester avec le fameux Tintin. Hop. Le but. C'est de quoi faire alors. Alors, à la foire, à la brocante, Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, Milou et les Dupont ont réalisé chacun un achat différent. Tableaux, sculptures, lots de livres, meubles et timbres de collection. Trouve ce que chacun a acheté en sachant que le professeur Tournesol en a horreur. Qu'il n'aime pas la peinture et la lecture. C'est, si je comprends bien, c'est ça. Hein. Les timbres ont été choisis par 2 personnes portant le même nom. Ce n'est pas un homme qui s'est offert la sculpture. Le capitaine Haddock n'a pas résisté. Oh là là, je n'ai même plus lié en plus. Le capitaine Haddock n'a pas résisté à la vue du portrait de son ancêtre. Pour t'aider, voici un tableau de vérité. Puis rédige ta solution de l'énigme. Tintin a acheté. On va commencer alors. À la fois machin. D'accord. Le professeur Tournesol en a horreur. Donc il n'aime pas la peinture ni la lecture. Donc, il n'aime pas la peinture et la lecture. La peinture et la lecture. Peinture et lecture. C'est ça, hein. Tournesol, ça. Tournesol. Le professeur Tournesol en a horreur. C'est par le professeur Tournesol. Donc c'est pas lui qui a acheté peinture, lecture. Donc peinture c'est notre tableau. Le professeur Tournesol n'aime pas le tableau. Il n'aime pas la lecture non plus. Donc il n'aime pas la lecture.
On est d'accord. Les timbres ont été choisis par deux personnes portant le même nom. Les timbres, ça serait les Dupont. Deux personnes portant le même nom. Bien d'accord. Ça serait les timbres, ça serait les Dupont. M'acheter. Les timbres. Après, ce n'est pas un homme qui s'est offert la... Pour faire la sculpture. Tintin, c'est une personne. Adox, c'est une personne. Tornado, c'est une personne. Bon, du coup, c'est des personnes. C'est pas un homme. C'est de... À la base, c'est tous des hommes. Donc, ça serait Milou qui se serait acheté la sculpture. Le capitaine Adox n'a pas résisté à la vue du portrait de son ancêtre. Donc, le capitaine Adox qui se serait acheté. Ce serait acheter le tableau. Je me base par rapport au petit dessin, donc je pense que c'est ça, donc c'est le tableau. Pour Adoc. Adoc s'achète le tableau. Donc Adoc, j'ai trois choses qui sont à peu près sûres. Vincent, pour Tintin, je sais pas ce qu'il a. Capitaine Adox a préféré. Professeur Tournesol a adoré. Ah ouais, mais ça me dit pas trop. J'arrive pas trop à. Milou a pris. Et Dupont ont aimé. Je vais déjà faire ce que je pense savoir. Oui, mais ce que je pense savoir, quoi. À la foire, voilà, brocante, à la foire, voilà, brocante, Tintin, le cul d'Adoc, le professeur de l'ancien, Milou et Dupont, acheter chacun un achat différent, tableau, sculpture, l'eau d'olive, peuple, et timbre de collection. Un, deux, trois. Il reste plus que les livres et les meubles. Qu'est-ce qu'il a acheté les livres et les meubles? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une, deux, trois, quatre. Bon, cet atteint, ce sera acheter les meubles. Il n'y a pas de case nulle part. Il n'y a aucune référence. Tintin a acheté, je ne sais pas. Le capitaine Adox a préféré, donc lui il a préféré le tableau. Donc le capitaine Adox a préféré. Le tableau. Le. Tableau. Je sais plus écrire. Voilà, le tableau. Après, alors, attends. Le professeur Tournesol a adoré. Le Tournesol, lui, je ne sais pas ce qu'il a adoré. Je sais ce qu'il a pas aimé. Professeur Tournesol... Déjà, il peut pas avoir pris le tableau parce que il est pris. Il peut pas avoir pris non plus la sculpture, car je crois que la sculpture c'est Milou. Je vois par rapport. Pour le sol, il est éteint parce que. 1, 2, 3. Donc là, comme tu vois, il me reste plus que le meuble. Ok, donc je pense que c'est ça, le tableau. On est ok, le professeur Tournesol a adoré. Je dirais le meuble, moi, je dirais. Adoré le meuble. Je pense que c'est ça.
On va dire que c'est lui qui a pris le meuble. Milou, il a pas aimé ça. Il a pris la sculpture. Il y a déjà un truc. Je vais faire comme ça. Hein. Ça, c'est ce qu'il veut. Quand je fais des croix, c'est que c'est pas bon. Qu'il aime pas, il a pas pris. Après, Adok, il prend le tableau. Donc, tout ça, c'est mauvais. Donc, finalement, je reviens ici. Et là, il y a un parti pris. Ici, un parti pris. Ici, il n'y a pas de parti pris. Ici, un parti pris. Ici, un parti pris. On dirait que Tintin a aimé les livres. Moi, je vois ça comme solution. Donc, Tintin, ça serait... Tintin a acheté les livres... Hein. Tintin a acheté les livres. Milou a pris la sculpture, j'ai dit. La sculpture. Je crois que j'ai oublié un truc là. Tu n'y es pas, il fait bizarre ce mot là. Ascul, j'ai oublié le P là. Ah, ce serait la sculpture. Et Dupont ont aimé les timbres. Voilà comment j'ai trouvé le truc, moi, par rapport à l'enquête que j'ai effectuée. Ouais, moi je ferais ça, moi, je pense que je ferais ça. Je recommence le truc, hein. Alors, à la foire, à la brocante, Tintin, le capitaine Haddock, le professeur, tenant seul Milou, ont réalisé chacun un achat différent. Tableau, sculpture, lot de livres, meubles, et timbres de collection. Alors, trouve ce que chacun a acheté en sachant que le professeur Tournesol en a horreur. Il n'aime pas la peinture, donc c'est ce qu'on a dit. Pas la peinture. Les tableaux, c'était aéré. Et il n'aime pas les livres non plus. La lecture. Ça, c'était bon. Et d'accord. Le timbre a été choisi par deux personnes qui portent le même nom. Donc ça, c'était les Dupont et Dupont. S'ils ont aimé les timbres, le reste ils l'ont pas aimé. Tic tac, grillé. Tic tac, tic tac, tic tac. Ok. En gros, j'ai 4 infos pour 4 personnages. Là, je viens de faire par exemple 2 personnages. Je viens de faire Tournesol. Je viens de faire les Dupont. Après, je passe. Ce n'est pas un homme qui s'est offert la sculpture. Le seul personnage qui n'est pas un homme ni un être humain, c'est Milou. C'est Milou qui s'est offert la sculpture. Donc je faisais un rond pour valider que c'était Milou. Je rayais le reste parce que c'était pas lui. Et la dernière chose, le capitaine Haddock n'a pas résisté à la vue du portrait de son ancêtre. Chose, je pense que pour Haddock c'était le tableau. Et tout le reste c'était négatif. Après, le but de l'histoire, c'était de trouver Tintin, finalement. Sachant que tous les autres, ils avaient choisi quelque chose. Le tableau avait été choisi par Haddock, donc je faisais une croix ici. Lou avait choisi la sculpture, donc je faisais une croix ici. Les livres,
personne n'avait choisi, donc j'ai laissé ça comme ça juste pour voir. Après, c'était quoi? Le meuble. Le meuble. Tournesol. C'est parce qu'il n'aimait pas le tableau et ça. Ouais, je pense que c'est ça. Après, je sais pas si ma logique est bonne. Ouais, c'est ce que je vois. Donc, Tintin a acheté les livres. Le capitaine Haddock a préféré le tableau. Si je me trompe pas. Ah ouais, après le tableau, le professeur Tournesol. Non, c'est le professeur Tournesol qui a aimé le meuble. Milou, lui, il a pris la sculpture. Et les Dupont ont aimé les timbres collection. C'est ça. Hein. J'aurais dû marquer de collection. Et hop, je le marque entier. De collection. Il y a deux L. Hein. Il y a deux L. Collection. Voilà. Je pense que c'est ça la solution. En plus, je sais même plus c'est quand le prochain rendez-vous. Je vais boire un petit café, excusez-moi. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Moi, c'est ce que je pense être la bonne solution. Tintin a acheté les livres, le capitaine Haddock a préféré le tableau, le professeur Tournesol adorait le meuble, il lui a pris la sculpture, les Dupont ont aimé les timbres de collection. Ah, c'était bien là, non? Impeccable! Impeccable! Non mais c'est bien, ben, je pense que je vais rester comme ça. Puis ben, je vais lancer le deuxième exercice. Je fais une petite pause tranquille. Hein. 5-10 minutes. Et puis voilà. Hein. Puis je reprends sur le prochain. Je vais peut-être en faire deux d'exercices. Je changerai juste l'intitulé. Je vais passer en... Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, je vais faire le 1 et... 1 et 2 sur 4. Je vais faire le 1 et 2 sur 4. Je vais faire peut-être comme ça. Juste comme ça. 1 espace et 2. Non, je vais peut-être pas le renoter comme ça non plus, ça va pas du tout. Ah, je sais comment je vais faire. Ouais, je vais faire comme ça, ouais. Allez, hop, j'ajoute comme ça le truc. Comme ça, je fais deux exercices d'affilée. Ce sera plus simple. Je fais comme ceci. Est-ce que je fais un... Là c'est bon, après je fais 4. Je ferme. Voilà, allez, exercice à rendement de finir avant le prochain rendez-vous. 1 sur 4 et 2 sur 4. Je vais faire comme ça. Pas mal. Allez, ok. Voilà. Allez, je vais passer au prochain. Oups, pardon. Parce que là, la caméra, elle est entre les jambes. J'essaie de m'adapter. Hein. Bon, on va peut-être passer à l'hôtel. Hein, ça va être sympathique, ça. C'est quoi, ça? 7, 10, 12, 16, 18. Et comment cet exercice? Colis du facteur. Et bah finalement, je vais me faire celle-ci. Allez, je me fais à l'hôtel. On se fait à l'hôtel ?
Hein, on se fait à l'hôtel, c'est sympa l'hôtel. Super marrant. Alors, 5 hommes d'affaires de nationalités différentes séjournent dans le même hôtel. Chacun a un numéro sur la porte de sa chambre. À toi de trouver le numéro de la chambre de chacun en t'aidant des renseignements suivants. Alors, le japonais est allé dans la chambre 18 pour trouver ses amis des chambres 12 et 18. Le japonais est allé dans la chambre 18. Est allé dans la chambre. Est allé dans la chambre 18. Pour ses amis de la chambre 12 et 10. 12 et 10 pour le japonais, c'est déjà, c'est pas sa chambre. C'est pas la chambre du japonais. 12. Ça. 12 et 10. Retrouver un ami de la chambre 12 et 10. Ça, déjà, c'est pas sa chambre. Le japonais est allé dans la chambre 18 retrouver ses amis. C'est pas non plus sa chambre, la 18. Ok. Le français et le locataire de la chambre 10 se rencontrent dans la pour la première fois. Le français et le locataire de la chambre 10. Le français et le locataire de la chambre 10 se rencontrent pour la première fois. Le français et le locataire. Donc le français déjà n'a pas la chambre 10. L'américain traite des affaires avec les occupants de la chambre 16 et 7. L'américain traite des affaires avec les occupants de la chambre 16 et 7. L'américain, c'est pas sa chambre. La 7 et la 16 ne sont pas sa chambre. Ce n'est pas la chambre 7 et 16. 7 et 16. Le Hollandais a suivi le match de football à la télé avec ses amis des chambres 7 et 12. L'Hollandais qui a suivi match de télé avec les ceux de la chambre 7. Et la chambre 12. Après, on arrive à l'italien. L'italien a raconté des blagues aux pensionnaires de la chambre 18. L'italien n'a pas la chambre 18. L'italien n'a pas la chambre 18. Ok. Après, le japonais a pris son copain de la chambre. Attends, le japonais a pris en photo son copain de la chambre 16. Donc le japonais n'a pas la chambre 16. D'accord, l'Américain a invité ses compagnons des chambres 12 et 10 dans son ranch pour les vacances. L'Américain, donc 12 et 10. N'appartiennent pas à l'américain. 12 et 10, 10 et 12. Ça n'appartient pas à l'américain. Le Hollandais a commandé le même repas que son voisin de la chambre 10. Le Hollandais a commandé le même repas que son voisin de la chambre 10. Donc le Hollandais n'a pas la chambre 10. Donc là, on joue un petit peu au morpion. Je pense que c'est ça maintenant. Par exemple, le japonais lui reste plus que la chambre 7. Le japonais appartient à la 7. Si la 7 est occupée par le japonais, elle appartient plus au français. Elle appartient plus à l'italien. Finalement, après, il ne reste plus qu'un seul emplacement ici.
l'américain sur 5 chambres, il n'a 4 de cocher, donc il reste plus que la 18. Donc l'américain a la 18. Vu que la 18 elle est prise par l'américain, je peux cocher tous les autres. Je peux cocher tous les autres. Après 1, 2, 3, 4. L'Hollandais c'est pareil. Je vois qu'il a 4 chambres qui sont déjà prises, donc l'Hollandais a la chambre 16. Ça veut dire que toi, les autres n'ont pas la chambre 16. Le français, il reste plus qu'une case de libre, donc c'est la chambre 12. Et la chambre 12 est prise. Donc il reste la chambre 10 pour l'italien. Voilà. Hop, pour moi, c'est la solution. Hop, je vous remets un peu le texte si j'arrive à... Je sais pas, c'est vachement trouble. J'essaye de lire pareillement. Voilà. Alors, 5 hommes d'affaires de nationalités différentes. Séjournent dans le même hôtel. Chacun a un numéro sur sa porte de chambre. De trouver la... À toi de trouver le numéro de la chambre de chacun en t'aidant des renseignements suivants. Le japonais est allé dans la chambre 18, retrouver ses amis de la chambre 12 et 10. Le français et le locataire de la chambre 10 se rencontrent pour la première fois. L'américain traite des affaires avec les occupants des chambres 16 et 7. Le hollandais a suivi un match de football à la télé avec ses amis des chambres 7 et 12. L'italien a raconté des blagues aux pensionnaires de la chambre 18. Le japonais a pris en photo son copain de la chambre 16. L'américain a invité ses compagnons des chambres 12 et 10 dans son ranch pour les vacances. Le hollandais a commandé le même repas que son voisin de la chambre 10. Donc voilà. Donc pour moi, je vais rédiger le... petite solution à l'énigme. Donc le japonais occupe la chambre 7. Hein, on va dire qu'il s'occupe de la chambre 7. Le français loge au 12. L'américain est au 18. L'américain est au 18. Le hollandais est au 16. Et l'italien se trouve au 10. Voilà pour moi. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Donc voilà. J'ai fait deux exercices, mais j'en ferai deux la semaine prochaine. Ou un, je sais plus. Faut que je revoie avec madame Lucky là. Moi je sais plus il est quand le rendez-vous chez l'orthophoniste là. Donc faut que je fasse ces quatre exercices avant le retour. Avant le rendez-vous. Et je crois que la semaine dernière j'ai raté un exercice. La semaine dernière j'y suis allé. Non, il y avait que ce lundi là que je suis pas allé. Ce lundi là. Bonjour Dark, bonjour. Comment tu vas mon cher ami? Attends, alors lundi. Non, je crois que lundi je suis pas allé chez mon orthophoniste, donc il fallait que je fasse un exercice pour ce lundi là. Ok. Et la semaine dernière, je suis allé chez mon orthophoniste. Ok, c'est lundi là. La semaine prochaine. Parce que là on est quel jour là? On est jeudi. Donc lundi prochain. Bah moi ça va. Tu vois, je retourne à l'école. Comme je pense que j'ai dû déjà t'en parler, mais je suis une neuropsy orthophoniste. Et là pendant 3 ou 4 semaines je la verrai pas.
par rapport à mon AVC, donc elle m'a donné un peu de travail à faire à la maison. Parce que à l'origine on se voit tous les lundis, mais là je crois que pendant 3 ou 4 semaines elle sera pas là. Elle me donne du travail à la maison pour que chaque semaine je fasse du travail. Là je sais plus si la semaine dernière j'y suis allé, donc on va dire que j'en ai déjà fait 2. Puis je ferai le troisième la semaine prochaine. Et après, faut que je voie avec ma femme, quoi. Ah, ok, ça marche. Ça marche. Donc voilà, là, je suis à me donner des jeux d'enquête. Pour voir si ma tête elle faisait encore des bonnes déductions. Si ma tête faisait encore des bonnes déductions. Ouais, mais c'est pas mal. Bon, mais je pense que j'ai laissé comme ça. Hein. Donc sur le Tintin Brocanteur, moi j'avais trouvé que Tintin avait acheté les livres. Le capitaine Haddock avait préféré le tableau. Que le professeur Tournesol avait adoré le meuble. Que Milou a pris la sculpture et que les Dupont ont aimé les timbres de collection. Après, sur l'autre exercice, au niveau de l'hôtel, moi j'ai trouvé que le japonais occupait la chambre 7, que le français lui avait la chambre 12, que l'américain était dans la chambre 18 et que le hollandais habitait dans la chambre 7 et que l'italien se trouvait au 10. Voilà, exercice terminé pour aujourd'hui. Exercice terminé pour aujourd'hui. Quelle heure il se fait là? 3h30. Ah, c'est sympa. J'ai peut-être streamé quelque chose de plus intéressant, de plus détente, plus cool, plus passion. Parce que bah, les exercices là, si j'avais pas eu de cet accident, je me serais peut-être pas amusé à les refaire. C'est pas le genre de truc qui me plaît de retourner à l'école. Hein. Non, mais je pense que je vais peut-être après, si ça t'intéresse, je vais peut-être faire un petit peu de Guild Wars Dark. Donc j'irai sur Discord après. Tu connais la télékinésie? Ouais, c'est un... C'est comment dire? C'est un peu comme Dark Vador, tu vois? Ou avance! Tu vois? Regarde bien. Regarde bien mon stylo. Sans le toucher, je vais le faire bouger. Regarde bien. Voilà, je pense que c'est ça la télékinésie. Je suis carrément chaud. Ok, donc t'es chaud pour faire un petit Guild Wars. Ok. Ok, bah écoute, le temps de replacer ma caméra, de remettre Discord, de remettre tout en ordre, parce que là j'ai un peu tout bougé là. Et puis je me lance sur du Guild Wars, quoi. Je me lance sur Guild Wars. Je sais pas. Ouais, si j'ai quand même streamé. Donc on se retrouve sur le chat stream de la chaîne, sur le vocal de la chaîne sur Discord, niveau de Guild Wars. Je te retrouve là-bas. Et puis voilà quoi. Moi c'est tout. Pour l'instant je vais vous envoyer ailleurs. Le temps de finir. Le temps de ma préparation. Hop. Je vais vous envoyer. Enfin, je ne sais pas où est-ce que je vais vous envoyer. C'est Mystère à boule de gomme. Il y a qui est là? On a Data qui est là.
La visure. Ah bah tiens, hop, je vais peut-être envoyer chez Nao. On va l'embêter avant de. Tu fais de la vraie télékinésie? Eh bah tu me diras ça tout à l'heure sur le vocal. Tu me diras ça tout à l'heure sur le vocal. Ça va être excellent cette histoire. C'est où que je dois faire ça? Là, je suis complètement perdu là. Je sais même plus comment on fait pour lancer le truc. Ah, c'est peut-être pas ici, non. Je sais même plus comment. À chaque fois j'ai des soucis là. Ah, c'est là, c'est peut-être dans le tableau de bord. Tableau ici. Pour accéder au raid. Ah, voilà, je m'étais trompé. Bravo, bravo, Mr. Lucky. Que des bêtises, il fait ce Lucky. Hop, alors, donc c'est bon. Donc je vous lance. Hop, je lance. Je vais voir ce qui est. On a qui là? Bon, allez, je vous envoie chez Nao. Vu que je vais partir après sur Digilward. Donc je vais vous envoyer chez Nao. Nao est un streamer, viewer avec qui je joue pratiquement tous les mardis soirs. Il est super sympa. Tout le restant de la semaine, il est souvent solo. Hein. Il est en train de faire un défi solo avec son envoûteur. Les débuts que j'ai commencé à le suivre, ça allait pas trop mal. Et là, il commence vraiment à attaquer les zones où il rage un petit peu. Donc, je vais vous envoyer là-bas. Vous envoyer là-bas. On va voir dans l'état d'esprit qu'il est cet après-midi. Après moi, j'éteindrai mon stream actuel, donc, et je relancerai un stream pareillement sur Guild Wars, quoi. Je relancerai un stream sur Guild Wars. Déjà, je sais même plus comment on fait pour lancer un Redos, quoi. Ah, on fait comme ça, ok. Ça marche, ok. Faut que ça me revienne, moi, tout ça, hein, vous savez. C'est pas top, 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 tout ça. Hein. Hop. Passe, je baisse le son. Non, il retourne. Oh. Ah, il est là. Okay. Donc le vrai potentiel du guerrier, c'est obligatoirement en groupe, genre avec ses cris, mais le pharaon est là. Ok, bah je vais vous envoyer là-bas, il est en forme. Il a la forme, on y va. Allez, on part. Et tu lui un gros coup. En fait, tout dépend. Si tu parles des zones élites ou des zones en. Des zones normales, etc. Ou à la limite des zones armées. Mais pas toutes. Hop, allez, moi je. En zone normale, le guerrier, il arrivera à avoir un. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Lucky. Salut Lucky. Bienvenue au raider. Je lui fais un petit coucou. J'espère que ton stream s'est bien passé et bienvenue chez Lena. Bienvenue en enfer. Voilà. Redark. Le problème du guerrier. Le guerrier, il arrive pas à faire des zones en groupe et à se rendre utile. Allez, parce à bientôt que ça, le fera stream. Des dégâts, à tout à l'heure. D'ici un petit quart d'heure, je pense que je serai revenu pareillement sur. Mais de manière générale, tu préféreras avoir autre chose en fait. Pour les dégâts, tu préféreras avoir. À tout y. C'est quoi? Après, bah si pourtant, ça vous a plu, tu préféreras largement, c'est marqué, largement avoir un assassin. Allez, ou un follow. Voir même sur un Twitch, allez, follow sur YouTube. Sur YouTube, c'est comment on dit là, le petit pouce, hein, comme donc ça. C'est hop, vraiment. Hop. Voilà. C'est ça le problème en fait. C'est allez, ciao, ciao. Visez-vous bien. Après, je dis et pas que. Et à tout de suite, ceux que je retrouve. C'est pas utile pour le dans prochain un groupe, stream mais sur Guild Wars. De manière générale, tu préféreras avoir autre chose. Et alors, il y a déjà des gens qui ont terminé profession en guerrier solo. Hein. Ça, c'est faisable.